Salut à tous les amis, c'est Wex, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on va se retrouver sur la chaîne de la Real Clan en espérant que celle-ci vous fera plaisir. Mais juste avant, si tu es nouveau, n'hésite vraiment pas à t'abonner, qu'est-ce que t'attends? On est une chaîne d'information Fortnite et tu te crois pas meilleur. En plus, on approche très vite des 40 000 abonnés, donc qu'est-ce que t'attends, j'ai envie de dire. Bref, aujourd'hui on va parler de peut-être un futur nouveau distributeur de skins ou voire d'autres choses, des sacs, etc. J'en dis pas plus. Mais juste avant les gars, tentez la barre des 1000 likes en moins de 24 heures. Sérieusement, en ce moment vous êtes chaud au niveau de la Real Clan, j'ai vraiment rien à dire, bien joué à vous. Donc en gros, est-ce qu'on peut encore refaire 1000 likes en moins de 24 heures, je compte sur vous, donc tous à vos souris. Bref, revenons à notre histoire de distributeur. Aujourd'hui, on parlait de peut-être un futur nouveau distributeur dans Fortnite Battle Royale. Qui sait? Bien sûr, c'est un concept, rien n'est confirmé par Fortnite. Faut le savoir, c'est qu'un concept, c'est qu'une idée. Donc avant de crier au putaclic, au drama, etc., c'est qu'un concept, faut le savoir. Voilà, ce concept a été très très demandé par la communauté. Ça sort sur Twitter, sur Reddit, etc. Pendant une semaine, j'ai vu que ça sur Reddit. Et sérieusement, je m'en foutais complètement de ce sujet. Mais quand j'ai vu que ça faisait quand même un peu une polémique, dire ça comme ça, et ben je vais vous le faire. Tout simplement, qu'est-ce qu'on pourrait retrouver dans ce nouveau distributeur? Tout simplement, on pourrait avoir un skin aléatoire, j'ai envie de dire. Par exemple, ce distributeur pourrait spawn une fois sur la map, pas plus, etc. Et quand un joueur le trouve, et ben tu peux pas trouver. Voilà, c'est comme les lamas, c'est rare, etc. Il y en a qu'un sur la map. Et tout simplement, quand tu trouves ce distributeur, bah déjà t'as le mérite tellement qu'il sera rare. Et tout simplement, tu pourras avoir un skin gratuit. Bien sûr, tu ne l'auras pas en illimité. Bien sûr, tu pourras le faire qu'une game. Par exemple, tu trouves le molosse de guerre, et ben tu pourras avoir ce skin pendant une game, pas plus. Après tu ne pourras plus l'avoir dans ton inventaire, il sera supprimé. C'est la première idée que je voulais vous faire partager. Tout simplement, ça serait plutôt une super idée pour les gens qui n'ont pas de skin, etc. Ils trouvent ce nouveau distributeur et ils pourraient le mettre pendant une game. Le deuxième concept, tout simplement, c'est quelque chose qui pourrait être rare. Bien sûr, voilà, c'est un nouveau distributeur qui est rare. Par exemple, tu payes 100 V-Bucks et tu pourrais avoir un skin, soit un sac, soit une émote, et j'en passe, aléatoirement. Tout simplement, en gros, quelque chose qui est aléatoire. Et si tu as de la chance, tu peux avoir un skin gratuit. Soit tu as de la chance, tu peux avoir des émotes, des danses et des sacs à dos. Ce serait plutôt cool, on va pas se mentir. Bien sûr, le deuxième concept, c'est vraiment pour les gens qui ont vraiment beaucoup trop de V-Bucks. Et ce serait plutôt cool, on va pas se mentir. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aura fait plaisir. J'espère que ce concept vous aura fait plaisir. Je vais mettre un vote en description. N'hésitez pas vraiment à voter si vraiment vous êtes pour ce concept. Et je verrai si vraiment des gens veulent ce concept ou non. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, c'est vraiment super important. Et liker la vidéo, ne l'oubliez pas. En tout cas, tous une super journée et une bonne soirée. En tout cas, je vous dis à la prochaine.